Place maintenant au livre avec l'un de mes coups de cœur littéraires. Un vrai voyage dans l'Amérique des années 50. Jack, de Marilyn Robinson. Ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale, à Saint-Louis, dans le Missouri, une ville divisée par la ségrégation. Jack est un blanc éduqué, féru de poésie, mais sans argent et qui sort de prison. Il fait la connaissance de la douce Della Miles, une professeure d'anglais noir, fille d'un pasteur très respecté. Entre eux, démarre une histoire d'amour interdite et risquée dans cette Amérique des années 50, même si Jack fait tout pour devenir un homme fréquentable. Il s'apprivoise et se dévoile lors de rares rencontres, notamment cette scène mythique au début du livre qui se passe dans un cimetière. C'est ici que démarrent de longs débats sur la foi, la littérature, la Bible, le pardon ou l'âme. Et voilà ce que dit Della. Je pense que la plupart des gens perçoivent une différence entre leur vie réelle et la vie qu'ils mènent dans le monde. Mais ils ignorent leur âme, ou ils la cachent, pour préserver une certaine cohésion, la cohésion de leur vie ordinaire. L'auteur, Marilyn Robinson, réussit à nous faire entrer dans le cœur et l'âme de Jack, un héros masculin très tourmenté, et dans les réflexions interminables de Della. Ce sont deux cœurs purs désemparés face à cet amour impossible. Jack, un roman profond et spirituel de Marilyn Robinson, publié chez Actes Sud.